Je ne sais pas pourquoi mon corps bascule. Les bâtiments devant moi ont un effet de recul. Je ne touche plus le sol, mes pieds ont quitté terre. Comme un tout petit vol, mon corps est projeté dans les airs. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne comprends plus rien. Je suis à la dérive et je ne me sens pas très bien. Ça y est, je percute les pavés maintenant. Tu auras été la chute, je suis couvert de sang. Allongé la selle sur le trottoir. Je perds la boussole, je ne peux pas le croire. Mais j'ai vraiment crevé sous ce lampadaire. Je me suis fait chuter ce mec avec un revolver. J'ai du mal à respirer, je ne veux pas mourir. J'ai vraiment déconné, j'ai tant de choses à dire. J'entends au loin la sirène d'une ambulance. Je crois qu'il est trop tard, je n'ai pas eu de chance. Mesdames et messieurs, approchez de l'action. Ne soyez pas nerveux, ne faites plus attention. Mesdames et messieurs, approchez de l'action. Et venez écouter la dernière confession. Dites à ma mère et mes frères que je les ai aimés. Ce mot de vocabulaire, je l'avais oublié. Je n'ai jamais été un garçon parfait. La délinquance m'a touché, mais je n'étais pas mauvais. J'ai fait des tas de choses qui ne seraient pas bonnes à dire. Que personne ne s'oppose si je parle de mauvais délire. Mais si je parle de filles, laissez-moi m'excuser. Ce n'était pas facile pour elles, j'ai vraiment déconné. Faut dire que les sentiments, je ne les connais pas. Je n'ai jamais pris le temps de les chercher en moi. C'est bizarre maintenant, je regrette vraiment de n'avoir pu aimer une femme avec des enfants. La vie passe si vite et la mine se soit restoppée. Doucement elle me quitte, je ne l'ai pas volée. C'est sûrement le jugement de toutes mes bêtises. J'avais oublié que Dieu sur mon âme avait ma mise. Mesdames et messieurs, approchez de l'action. Ne soyez pas nerveux, ne faites plus attention. Mesdames et messieurs, approchez de l'action. Et venez écouter la dernière confession. Ça y est maintenant, je n'entends plus rien, il y a plein de gens, je me sens plutôt bien. Des médecins s'agitent tout autour de moi. Ça bouge et ça s'excite, je ne comprends pas pourquoi. Je ne veux plus les calculer, je regarde le ciel. La soirée est étoilée, la lune étincelle. Je n'aurais jamais imaginé que la nuit était si belle. C'est dans ces moments-là que tout d'un coup tout s'émerveille. Oh, ça y est, je me sens glissé sur le chemin de la paix, je vais vous quitter. L'étincelle, la flamme va se consumer. Ne crachez pas sur mon âme, je ne l'ai pas mérité. Voilà, c'est mon heure et tout devient noir. Le dernier jour d'un voleur, c'était mon dernier soir. Mesdames et messieurs, approchez de l'action. Ne soyez pas nerveux, ne faites plus attention. Mesdames et messieurs, approchez. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chanter, pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano Possi c'est un état d'esprit. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard, chantez. Chante dans le loup, le renard et la belette.
belette mec, j'entends le loup et le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la fête, voilà que je me répète, je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra les gars, malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Malo viendra les gars, malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. De druides et de magie, tout attribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.
entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Les édificateurs de mégalithes étaient sur terre, brillantes civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture, mais des monuments et de mystérieuses gravures. Mano prend le micro et cède du hip-hop pour raconter des histoires et les mythes de ce peuple. Il m'arrive parfois de rêver de tout ça, de l'âge du bronze, du fer et même d'Alésia. Mais je me demande pourquoi, ce qu'il se passe des fois quand le vent de la mer se lève et entre dans les sous-bois. On peut entendre les récits des rois accompagnés par des chants et de douces voix. C'est le vent de la mer qui doucement les transporte, les histoires, les contes de l'ancienne époque. C'est comme une musique qui resterait pure et limpide. J'ai pu entendre le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flot est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, c'est le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flot est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide. Mais le chant des druides agitait l'influide. Apprends à l'écouter, il te servira comme un guide pour raconter des contes et des histoires de chevalerie, de grandes batailles, de monstres et de tours de magie. C'est l'âme celtique, historique, antique. Les siècles ont passé mais elle reste identique, comme à la grande période du début mégalithique. Les dolmens sont là et ils sont authentiques. Je sais que tu auras du mal à croire à ces histoires, que tu pourras entendre seulement la nuit très tard le soir. N'essaie pas de lutter avec des idées noires, l'histoire glissée, éclairée, tel un phare. C'est comme une onde qui sortirait d'un tapis de lumière, une révélation, quelque chose d'éphémère, qui coulera en toi une musique parce que liquide. Viens écouter le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, c'est le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide. Mais le chant des druides, c'est ma réalité. Il me sert de guide, tu l'as fait deviner. Pour poser tranquillement les mots sur un bout de papier, l'inspiration de Mano, ce qu'elle aide à méditer. Voilà pourquoi je ne veux pas me poser de questions. Est-ce que toutes ces voix viennent de mon imagination? En fait, j'accepte cette situation. Le chant des druides fait de mon inspiration, car j'aime plonger mon esprit souvent dans le passé et ne pas me demander où est la vérité. Je continue de rêver, je ne suis pas le dernier à pouvoir écouter tous ces chants sacrés. Et même si la vie s'oppose au caractère de ces choses, je ne veux pas trouver la cause et continuerai ma prose. Alors croyez-moi, pour cela je veux rester candide et pouvoir écouter toute ma vie le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, c'est le chant des druides. Je l'entends qu'il me guide, le chant des druides. Mon flow est sans fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide.
braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres. La guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas le corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comme à cette époque, le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. Le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas homme d'action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours. Le câble qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords. Comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça. Se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas. Le mal est maintenant général de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin, le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. Ce que je ressens après la nuit que j'ai passée dura était mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil, à toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes, la réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier, tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question, est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal, comme à chaque fois avec un nouveau.